L'atelier théâtre du lycée Saint-Exupéry de Terrasson pourrait disparaître à la prochaine rentrée. Depuis 19 ans, il est financé par l'Éducation nationale et la DRAC. Donc on est inquiet pour l'année prochaine parce qu'on sait qu'on va encore perdre des subventions. La DRAC, par exemple, qui nous subventionnait, ne donnera plus rien. L'année prochaine, ce sera zéro. Donc si on veut qu'on continue à fonctionner, il va falloir trouver d'autres sources de financement. Les élèves de seconde, première et terminale répètent cette année une pièce de Wisniewski sur la censure et la liberté d'expression. Stop ! Donc l'idée que nous avons eue, c'est puisqu'on a du mal à trouver de l'argent public, parce qu'il n'y a plus d'argent public, on a mis en place ce qui s'appelle un financement participatif sur Internet. Donc ça se fait sur un site qui s'appelle ProArty. Notre nouvelle conception humaniste, telle qu'elle nous a été enseignée par le grand Lénine et le grand Staline. 3000 euros, c'est une partie de ce que nous coûtent les interventions de Fabien Bassot chaque année. Donc il vient de Périgueux, il y a des trajets. On doit aussi payer quelqu'un pour faire la lumière du spectacle. Là, c'est Richard III qui est en train de mourir derrière moi. Voilà, donc on a besoin de 3000 euros. Pour avoir une trésorerie qui permette de redémarrer sereinement l'atelier l'année prochaine. Tania, toi aussi tu as vu, il est passé par là, ce n'est pas rien ça. Tania ? Je suis la voix de l'autocensure. L'autocensure ! On a mis en place cette souscription parce que c'était le moyen le plus transparent et qui correspondait le mieux aux attentes en fait de tout le monde. Les gens peuvent donner, ça nous permet nous de continuer à avoir ce fonctionnement finalement très libre, avec le comédien qui est pour nous la clé de voûte de l'atelier. Et donc c'est, voilà, ça nous paraissait facile et pouvoir toucher tout le monde, même à distance, tout le monde peut donner. Et puis bah, nous, ça nous permet surtout de trouver réellement des fonds pour pouvoir subsister et avoir un peu d'avenir, un peu de perspective. Ma tête, c'est quand même un espace privé. Mais non. C'est d'autant plus intéressant de financer un projet par ce type de site que c'est déductible des impôts. Donc il y a 66% de déduction fiscale. Et s'il y a plus que 3000, tant mieux. Alors on demande 3000, si on reçoit plus de 3000, tant mieux. Si on ne reçoit pas 3000, alors là ça va très mal, parce que si on n'arrive pas aux 3000, que le projet s'écroule, c'est-à-dire on reçoit zéro. Les gens qui ont fait des dons récupèrent leurs dons. Donc il ne faut absolument pas qu'on ait moins de 3000. Il ne faut pas trahir la patrie. Toi, camarade détenu, tu es allé à l'université et on t'a foutu en tôle.